en l'an 2040, le jour de l'anniversaire de BBR. Et merci hein, d'être venu à mon anniversaire. C'est vachement sympa et tout. Ah bah alors mon petit Thibaut, pourquoi tu nous fais pas un discours? Mais je sais pas, j'ai un peu le trac quoi. Alors voilà, ma petite maman. Mon petit tonton Saturnin. Et mon cousin Baudouin. Je vous remercie d'être venu. Alors je voudrais juste lever un verre à... à notre adversité contre Sébastien. Ouais, un jour, je suis sûr qu'on l'aura, quoi. Ouais, t'as raison, Thibaut. Un jour, Sébastien, eh ben, il l'aura dans le cul. Eh, dis donc, mon petit Baudouin, t'es pas obligé d'être vulgaire non plus. Et tu sais, mon petit Thibaut, avant de manger, il faut que tu prennes tes 4 coups de taser quotidiens. Hein. Oh non, j'en ai marre de prendre ces trucs-là, c'est pas au coup. C'est quoi ces 4 coups de taser? Ben, c'est un traitement pour arrêter l'appareil que Thibaut il a dans la gorge. C'est le seul moyen qu'on a trouvé pour essayer de l'arrêter. Au départ, ça arrêtait pas de faire des bruitages et tout. Alors le seul moyen qu'on a trouvé, c'est de lui envoyer des coups de taser comme Sébastien il l'a fait. Au départ, ça marche pas du premier coup, mais à la longue... Et ben on arrive à annuler certains bruitages. Ça fait 2 ans qu'on fait ça et tout. Alors maintenant il reste plus que le cri de vache. On a réussi à annuler tous les cris, c'est presque terminé. Bah ouais, mais bon, moi j'en ai eu marre de me recevoir des coups de taser tous les jours. J'aimerais bien que ce soit terminé quoi. 5 minutes après. Après que Thibaut ait reçu son traitement, on va posterniser le dessus, voilà, ça lui fait mal, pour BBR. Bon alors, Baudouin et Saturnin, j'aurais profité de votre présence pendant l'anniversaire de Thibaut pour qu'on se lance à la recherche des micros que Sébastien il a caché un peu partout. C'est vrai quoi, depuis tout ce temps et tout, on attendait que ça parce que depuis qu'on a appris que Sébastien avait caché des micros et qu'il nous écoute 24h/24, et bon, on se sent pas trop en sécurité, on va profiter d'être tous les 4 pour le faire, d'accord? Ouais d'accord, ça va être marrant, on va faire fêter des micros partout dans la maison. Ouais, ça va être marrant, quoi. Il faut que je fasse gaffe quand même à mon dos. Oh, bon, bah d'accord, allez, c'est parti maintenant. On va chercher les micros, ça va être cool, quoi. Bientôt, on en sera débarrassé. Et ça va être cool, comme ça, Sébastien, il viendra plus. Il pourra plus nous écouter, puis il pourra plus savoir quand on fête Noël. Peut-être que quand on aura enlevé les micros comme ça, Sébastien, il n'aura plus jamais. Et puis on pourra fêter Noël tout le temps et tout. On pourra le fêter tous les jours. Ça va être cool, quoi. Bon, allez, d'accord. On y va tous. Ouais, c'est cool.
trop heureux. Bon, allez, c'est parti, on commence. Mais tu dis pas, c'est le noir complet. Oh, je vois plus rien. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a les plombs qu'on sautait. Oh, ça marche pas l'interrupteur. Et t'es où, Popa? Attends, Baudouin, je te cherche. Reste là où t'es, je vais essayer de te trouver à tâtons. À quoi, tonton? Mais non, je t'appelle pas Thibaut. Oh là, ben yo, c'est un peu le bordel là-dedans. Bon, attendez, personne bouge. Faut qu'on essaye de chercher mutuellement. J'ai peur du noir. Au secours. Où t'es, maman? Oh, t'inquiète pas, Thibaut. Bientôt, on va pouvoir allumer la lumière. Au secours, j'ai peur. Qu'est-ce qui va m'arriver encore? C'est vrai, quoi, le noir, moi, j'aime pas ça parce que... Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Thibaut? J'ai reçu un nion. C'est qui m'a frappé? C'est toi, ponton? Mais non, c'est pas moi. Oh, mais c'est qui m'a frappé? Oh, j'ai reçu un nom qui vient d'une autre direction. Qu'est-ce qui se passe? Il fait tout noir, je vois rien. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qui c'est qui nous envoie des nions? C'est vrai, quoi, parce que... Oh bah moi aussi, j'en ai reçu un. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Ah, alors les joufflus. Oh non, c'est Sébastien. Au secours. Oh là, les grosses faces de cul. On n'est pas des faces de cul. Allume la lumière, pote. Ah, les petits bébés. Vous inquiétez pas pour moi. J'ai des lunettes de vision nocturne, je vous vois très bien. Oh non. Qu'est-ce qu'il a encore inventé, ce sadique? C'est encore ce psychopathe. Oh là là, les petits bébés. Je sens qu'on va bien se marrer. Mais allume la lumière, Sébastien. On voit plus rien. Oh là là, les petits bébés, vous savez vraiment pas vous amuser, hein. Mes grosses sacoches pleines de morve. Est-ce pas une grosse sacoche pleine de morve? Pour pas verser une pêche. Ouais, tu vas arrêter de frapper mon fiston. Moi aussi, j'ai reçu un nion, qu'est-ce qu'il fait? Oh là, les petits bébés, ils sont complètement dans le noir et tout, ils voient rien ce qui leur arrive. Moi j'ai des lunettes de vision nocturne, puis j'en profite pour me balader un peu partout, leur faire des feintes et tout. Arriver derrière leur dos, puis leur foutre des gros noms dans la tronche. T'es vraiment sadique. J'en ai marre de recevoir des pêches. Oh petit bébé, ma grosse pastèque. Au secours, je veux ma maman. J'ai peur du noir. Fais quelque chose, maman, j'en peux plus. Et t'inquiète pas, Thibaut, bientôt on va pouvoir le trouver, quoi. Arrête de nous frapper, Sébastien. Ah, les petits bébés. Et mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là? J'en ai marre d'être. Maman, j'ai peur. J'ai reçu un coup de taser. Mais arrête, Sébastien. Où t'es, bordel? Oh non, maintenant il envoie des coups de taser. C'est pas vrai qu'elle s'habite. Mais arrête ça, Sébastien. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des coups de taser à Thibaut et puis à Gertrude. C'est vraiment un sat. Moi aussi, j'ai reçu un coup de taser. Petit bébé,
Oh, mais c'est pas cool, Sébastien, merde. Même à mon anniversaire, maintenant, tu viens de me harceler, merde. C'est pas cool, j'en ai... Ça fait mal les coups de taser. C'est bizarre. Ça sent quelque chose. Bah, ça sent quoi, Thibaut? C'est bizarre. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Thibaut? Je croyais que, avec ton nez qui était plein de morts, tu pouvais rien sentir à part l'odeur d'éléphant qui te mettait en état de choc. Bah, c'est bizarre, là, je sens, mais. Ça sent l'éléphant. Au secours. Bah, panique pas, Thibaut, t'inquiète pas, ça doit être juste une impression. Un barrissement. Oh là là, dites-moi, Saturnin, Baudouin ou alors maman, dites-moi que c'est vous qui avez barri. Non, c'est pas moi, c'est ni Baudouin non plus d'ailleurs. Bah non, c'est pas nous, Thibaut. Un barrissement, au secours. Oh, je vais devenir fou. Où t'es, maman? Ah, ça y est, je crois que j'ai réussi à attraper ton bras. Dis donc, maman. Je savais pas que t'avais tous ces plis bizarres sous les bras. Et puis, je savais pas non plus que t'avais ces défenses là sous les aisselles. Mais qu'est-ce que tu racontes, Thibaut? Au secours! C'est un vrai éléphant! C'était sa trompe! Oh non! Ah, mes petits vénères! Je vous ai ramené un éléphant en rut! Juste pour vous bourrer le cul! Oh non! Oh la bébère qui est encore coincé, qu'est-ce qu'il est chiant. Mais aidez-moi, je suis coincé. Oh mon petit bébère, mais t'inquiète pas, pour te décoincer j'ai un bon remède. L'éléphant qui veut le foutre un bon coup de bite dans le cul. Oh non, décoincez-moi. Ah mon petit bébé, heureusement que je suis là, allez hop, un petit coup de taser. On profite pas, merde. Ça y est, je me suis décoincé. Oh non, c'est l'éléphant. Quoi, y a un éléphant ici? Mais bordel, il faut rallumer la lumière, on voit rien du tout. Ah, un petit bébé. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Y a un éléphant là, j'ai l'impression qu'il se rapproche de moi, quoi. Ah, mon petit Baudouin, et en plus, vu comment je suis bourré de médicaments aphrodisiaques et tout, je peux te dire qu'ils vont bien vous défoncer le trou de balle. Au secours! Au secours, il y a l'éléphant qui s'est jeté sur moi! Il met le froc! À quoi il est qui se passe, Baudouin? Où t'es? Je vois rien du tout! Ah, le pauvre Baudouin qui se fait défoncer le fion. Oh, au secours. Oh, mais t'es vraiment sadique, Sébastien. Arrête ça. Pauvre Baudouin. T'inquiète pas. On va sortir de là, Baudouin. Oh, bébé, t'as la gueule. Espèce de tronche de cake complètement gluante. Je suis pas une tronche de cake. Ah, les petits bébés. Au secours, ça fait mal. Ah, mon petit Baudouin, alors comme ça, ça te permet un peu de connaître toutes les sensations qu'a connu ton petit cousin Thibaut Robert. Mais arrête ça, ça fait mal. Oh là là, il y a tous les bébés qui sont affolés là. Ah, mais Sébastien, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas le laisser comme ça. Oh, madame bébé, ferme ta gueule, là, espèce de grosse trouille avec ton gros cul d'hippopotame visqueux et avec ton fils débile complètement foiré avec sa fausse gueule en forme de boire. Et mon fils, c'est pas un débile avec une forme de poire. Oh,
Oh, en plus, elle comprend rien à ce qu'on lui dit. C'est l'espèce de gros brontoseur là. Je suis pas un brontoseur. Mais arrête de nous frapper. Au secours, je vois rien du tout. Allume la lumière. Oh, Sébastien. J'ai peur du noir. Oh, ta gueule, bébé. Bon, là, c'est bon, il va avoir fini. Il est fond, là, bordel, de se taper Baudouin. Ça fait mal. Oh là, j'en ai marre d'attendre là. Alors qu'est-ce que tu veux pouvoir chercher d'autre comme supplice en attendant que l'éléphant ait fini avec Baudouin? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mon petit Baudouin, je te cherche partout mais je te vois pas. Et pourtant ça devrait pas être très dur, il y a un éléphant dans la pièce quand même. Oui mais je peux pas avancer, il y a l'autre qui arrête pas de me foutre des pêches. Oh toi ta gueule, espèce de grosse bouse visqueuse, avec ton haleine poisseuse et ta grosse gueule archi foirée. Mon tonton, c'est pas une grosse bouse. Oh là là, pauvre bébé, explosé de partout. Au secours. Oh là là, vous êtes qu'un gros tas de limaces gluantes et joufflues. Tu sais ce que je vais faire? Je vais vous amener à mon labo là, où il y a mon programme informatique qui contient toutes les données de mon cerveau. Vous savez là le truc. Et je vais foutre la mémoire bébère sur le corps de Madame Bébert. Et puis la mémoire de Madame Bébert sur le corps de Bébert. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas cool. Ah bon, parce qu'en plus tu peux effacer la mémoire. Eh oui, grosse tronche de fion. Je suis pas une tronche de fion. Oh là là. Eh oui, vous savez quand je fous sur un programme informatique avec ma mémoire sur un clone, et ben ça marche aussi avec des êtres vivants qui ont déjà une mémoire avant. Tout ce que ça fait, c'est d'enregistrer par-dessus. C'est pas cool. Eh oui, alors avec vous, vous savez ce que je vais faire? Je vais inverser les deux. Bébert, tu vas te retrouver dans la peau de ta maman et puis Madame Bébert, tu vas te retrouver dans la peau de Bébert avec son cul complètement en chou-fleur et tout. C'est pas cool. Ta gueule, grosse bouse. Je suis pas une grosse bouse. Oh là, mes petits bébés. Bon allez, le petit Baudouin, je te laisse se faire défoncer le trou de balle là. Puis Saturnin, je te laisse chercher son fils à la con. Et puis, oui, bébé et madame bébé, je vous emmène dans mon labo, ok hein. Oh non, pas ça. Oh, ta gueule pastèque gluante. Alors voilà, disons une demi-heure plus tard, il y a Sébastien qui a traîné les deux bébés là. On les a traînés par terre jusqu'au labo, quoi, de force. Voilà, ils sont arrivés au labo. Alors voilà, j'enregistre la mémoire bébé et puis madame bébé sur un programme informatique là. Et voilà, je leur fous un casque sur la tête et tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de pomper toute notre mémoire. Et ben voilà, c'est fini, vous avez vu hein. Vu qu'on est en 2040, maintenant ça va vite hein. Et ben donc, il n'y a pas grand chose hein. Vas-y, arrête de te foutre de notre gueule. Ouais bah Sébastien, tu ferais mieux de pas faire de commentaires parce que je suis sûr que ta mémoire eh ben, elle fait même pas la moitié. Oh madame bébé, vous croyez où? Avec ton haleine de brontoseur là et ta grosse coupe de cinglé. Oh là là, mais tu vas arrêter de hurler comme un neuneu là bébé. Comme un détraqué là, tête de poire baveuse qui pisse de merde de partout. Je pisse pas de merde de partout. Oh là là. Bon voilà, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Ah ouais, il y a tout sur programme informatique là. Oh non, l'éléphant il nous a suivis. Au secours, il va s'en prendre à mon fion. Oh là, il y a l'éléphant qui, après avoir fini avec Baudouin, il est venu jusqu'ici, il nous a suivis, c'est pas vrai. Il a sûrement été attiré par les cris de bébert. Et pourquoi l'éléphant il me fixe comme ça avec insistance? Mon petit bébert, c'est pour pouvoir te bourrer le fion, il attend que ça. Oh non. Mais arrête de me regarder comme ça, éléphant.
Au secours. Bon allez hein, je les attache sur les sièges là et tout ça, je leur fous le casque de transfert sur la tête. Et maintenant qu'il y a tout sur les programmes informatiques, je vais leur injecter la mémoire, leur mémoire respective, comme ça je vais inverser quoi. Ça fait mal. Voilà, bon, 5 minutes plus tard, le transfert est terminé quoi. Alors, alors qu'est-ce que ça donne les grosses tronches de fion qui giguent de merde de partout? C'est pas une tronche de fion, c'est pas cool. Oh là là, il y a bébé qui est dans le corps de madame bébé. Eh mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est bizarre, c'est que j'ai plus mal au fion. Enfin, un peu moins en tout cas. Et puis le corps bébé, qu'est-ce que ça donne? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, j'ai super mal au cul. Et puis je sens des choses qui gigotent dans mon anus. Ma petite madame bébé qui est dans le corps de bébé là. Mais c'est à cause des crapauds que vous avez dans le cul. Eh mais qu'est-ce que t'as fait à mon fils? Oh là là là, le cauchemar. Les pauvres bébés, ils sont carrément inversés et tout ça. Et puis pauvre madame bébé qui est dans le corps de bébé avec le cul, ça lui fait mal en permanence et tout. Mais qu'est-ce que tu fais à ma maman? Mais ta gueule, toi! Espèce de grosse baudruche difforme gonflée à la morve de limace! Je suis pas une limace! C'est pas cool! Oh là, ça fait trop bizarre d'entendre Bébert avec la voix de madame Bébert dans le corps de madame Bébert, quoi! Au secours! Oh là là! Oh, j'ai une idée, tiens, vu qu'il y a l'éléphant qui est là! Vous savez ce que je vais faire les bébères? Eh ben je vais changer l'esprit de madame bébère, qui est dans bébère là, avec l'éléphant. Tu vas quand même pas faire ça. Ah là c'est madame bébère qui parle hein, vu qu'elle est dans le corps bébère. Au secours. Alors madame bébère, je vais la retrouver dans la peau de l'éléphant et tout. Et puis l'éléphant il va se retrouver dans la peau de bébé et tout, il va être tout con, il va se demander ce qui se passe. Alors voilà, disons un quart d'heure plus tard, je l'ai fait quoi, j'ai transféré tout le monde et tout, et voilà le résultat. Oh là c'est le corps de bébé hein, on se demande comment ça va se passer parce que dedans il y a l'esprit de l'éléphant quoi. Oh là là, il dit rien du tout à part faire des gros barrissements, puis il doit s'étonner surtout du mal au cul qu'il a et puis la gorge qui fait des gros bruitages quoi. Oh là l'éléphant, madame Bébert je l'ai foutu dans le corps de l'éléphant mais elle arrive quand même à continuer à faire des gros bruitages, elle a tellement l'habitude. Des gros cris de Bébert là. Elle en a tellement fait toute sa vie que même si on le fout dans un autre corps qui permet de plus en faire, eh ben, elle continue. Eh ben maman, c'est toi dans l'éléphant. Oh là, c'est Bébert dans le corps de madame Bébert. Et tu sais maman, faudrait que t'en profites que tu sois dans la peau de l'éléphant là pour essayer de maîtriser Sébastien. Hein quoi? Et ça y est, on a maîtrisé Sébastien. Il y a ma maman qui est dans le corps de l'éléphant. Qui a foutu un gros coup de trompe pour l'assommer. Ça y est, il est inconscient, il faut en profiter. Vingt minutes plus tard, quand Sébastien se réveille. Qui c'est qui m'a assommé là? Je suis un peu dans les vapes là. Oh, c'est pas vrai, je suis attaché et tout, je suis ligoté sur un siège. Avec le casque de transfert sur la tête. Mais qu'est-ce que vous faites les bébés? Sébastien, je peux te dire que tout ce que tu nous as fait maintenant, c'est leur payer pour toi. Bah, quand ça se fait, vous êtes remis normal. Bah ouais, on en a profité pour se remettre normalement. L'éléphant, on en a profité pour l'endormir et tout ça, parce que j'ai pas envie qu'il me trucide le fion. Oh là, il y a madame bébé et bébé qui sont revenus normalement. Et moi, ils m'ont attaché et tout ça, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Et bah tu vas voir Sébastien. L'idée, elle est géniale. Et bah, je vais me transférer avec toi. Et tu vas te retrouver dans mon corps de baudruche, comme tu dis. Et puis moi, je vais me retrouver dans ton corps, quoi.
Oh non, tu vas vraiment pas faire ça, bébé. Allez, on est copains quand même. Tu te rappelles pas, on s'est fait la petite tête de l'amitié. Allez, bébé. Espèce de sadique, tu vas payer. Non, attendez. Attendez, les bébés, je vous jure. Tout ça, en fin de compte, c'était une preuve d'amitié, vous voyez pas. En fin de compte, eh ben, moi, je fais tout ça parce que je vous aimais bien et tout, quoi. Et puis, je venais vous voir, tout ça, supporter vos grosses haleines de dromadaire, là, c'était pour vous, quoi. Tu vois, il continue de nous insulter. Oh, la bébé, espèce de gros sac qui pue la merde. Je suis pas un sac. Eh, mais au fait, je suis en position de force. Je peux le frapper, maintenant. Allez bébé, j'ai pas pu m'empêcher de dire ça, j'ai tellement l'habitude, allez, c'est bien, c'est comme t'écris bébé, ça sort tout seul. Cette fois-ci, je vais pas te le pardonner. Oh, enculé, il m'a frappé, c'est pas vrai. Pas de cul. Mais c'est pas vrai, il va encore que je le frappe ou quoi? Oh, enculé, je peux pas m'empêcher de traiter bébé, j'ai tellement l'habitude et tout. Et bah maintenant je peux te dire Sébastien, tu vas en prendre pour ton grade. Ta gueule grosse truie. 30 minutes plus tard, les bébés ils ont réussi à inverser l'esprit de bébé à celui de Sébastien et tout ça. Puis au passage ils ont détruit les disquettes et tout ça pour plus que Sébastien il puisse changer quoi. Donc il y a Sébastien qui se réveille après le transfert. Qu'est-ce qui m'arrive? Hein? Bah, pourquoi je respire avec difficulté? C'est pas normal. Oh non! Je suis dans la peau de bébé. Et en plus, je parle comme lui. Oh putain! J'ai super mal au fion. Et ça bouge et tout. Au secours! En plus j'ai plein de mal à respirer. Je fais des gros bruits débiles. Oh, les bébés, vous allez me le payer. Alors Sébastien, ça va bien? C'est toi bébé. T'es dans mon corps, qu'est-ce que tu fous? Et ben maintenant Sébastien, tu vas voir comment ça peut être facile d'être dans ma peau. Ha ha, maintenant c'est moi qui rigole, ça va être cool. Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Je parle exactement comme bébé. Oh, là je suis dégoûté. Bon allez, je te détache. Oh là là, mais empêchez-moi au moins d'avoir ces gros cris de débile. Ah, et tu sais quoi maintenant mon petit Sébastien? Et ben maintenant ta maman c'est ma mère Gertrude Robert. Oh non, pas madame bébé. Ah bah tiens, je vais pouvoir profiter pour lui taper dessus. Tiens, ça va être marrant. Allez madame bébé, tu vas quand même pas frapper sur ton propre fils. C'est chiant, c'est écrit. Oh, mais je sais bien que t'es pas mon fils, Sébastien. Maintenant, je vais me venger, tu vas voir. Moi aussi, mon petit Sébastien, j'en profite pour te taper sur la gueule. Qu'est-ce que vous faites? Normalement, c'est moi qui vous tape sur la gueule, quoi. Ah, et maintenant, essaie de t'empêcher de crier maintenant pour voir. Tu vas voir comment c'est pas pratique. Ça fait mal. J'en ai marre de parler comme bébé. J'essaie d'en plus crier, mais c'est impossible. J'en ai marre. Ah, et bah tu vois mon petit Sébastien, c'est pas facile. Hein. Mais c'est pas vrai, faire-nous revenir comme on était avant, quoi. Ah là là, c'est cool, hein. Ah bah, je le reconnais quand même, grâce à cette expression, que c'est bel et bien bébé qui est dans ma peau. Oh, j'ai mal au cul. Et mon petit Sébastien, maintenant, je vais te harceler comme toi tu me l'as fait avant. Oh non. Au secours. Je suis dans la peau de bébé avec sa sale gueule de poire. C'est pas vrai. J'en ressemble à une espèce de petit goré visqueux là. Une espèce de grosse saucisse. Au secours. Mon petit Sébastien, tu vas voir. Tu
je peux te dire que les éléphants ils vont bien te bourrer le cul. Oh non! Mais bébé, qu'est-ce que tu fais? Remets-nous comme on était avant, merde! Au secours! Ah, pauvre Sébastien, qui est en train de tâter ses nouvelles joues. Alors ça fait bizarre, hein? C'est pas vrai, elles sont énormes. J'ai l'impression d'avoir une pastèque à la place de la mâchoire. Je pue de la gueule, c'est horrible. Ça pue le crapaud et le Kinder pourri, c'est horrible. Et toute cette bave qui arrête pas de se secréter dans ma gueule. Il y en a des tonnes qui arrivent par seconde, c'est archi chiant. Et je parle même pas des cris de vache. Oh, qu'il va falloir que je me coltine à longueur de temps. Bon bah, pour commencer ta nouvelle vie, qu'est-ce que tu dirais si on réveillait l'éléphant pour te pulvériser l'anus? Oh non, au secours! Oh là là, pour dire que c'est moi qui l'ai bourré de Viagra et tout. Non, tout sauf sa pitié. Et puis maintenant, il va falloir t'habituer à ton nouveau nom. Hein, mon petit bébert? Quoi? Tu m'appelles pas bébert? Oh non, fais chier, merde. Et puis moi, je vais avoir du mal à m'habituer à ta nouvelle tête, Thibaut. J'ai fait tellement de cauchemars avec le sadique de Sébastien. Bon, tête de fion. T'es prêt pour le défonçage de fion? Oh non! Fais pas ça, bébé. Je veux dire Thibaut. Tu voulais que je t'appelle Thibaut, c'est ça? Alors voilà. Allez, bébé, Thibaut, sois sympa, quoi. Et après, t'enfileras la panoplie de bavard avec le vibromasseur dans le slip. À l'aise. T'essayes de t'enfuir, Sébastien, mais ça sert à rien. Dans mon corps, c'est quasiment impossible que tu puisses m'échapper. Mais bébé, qu'est-ce que tu fous? Tu as quand même pas morcelé comme moi je t'ai fait. C'est pas cool. J'essaie de m'empêcher de crier le plus possible, mais... Je suis coincé. Mon petit Sébastien, tu vois bien que c'est pas facile, hein. Décoincez-moi. C'est pas cool d'être dans la peau de bébé. Oh, c'est pas vrai, je commence à parler comme lui maintenant. J'ai rien dit. Ah, mon petit Sébastien, maintenant je vais te harceler jusqu'à la fin des temps, hein. Grosse tronche de fion. C'est pas vrai, maintenant il va m'insulter, au secours. La petite pastèque gluante. Moi je m'en fous, je vais pas rester comme ça jusqu'à la fin des temps. Et bah si, malheureusement, puisque j'ai détruit toutes les données informatiques, maintenant t'es destiné à rester jusqu'à la fin des temps dans ma peau. Au secours! Arrêtez de me frapper. Mon gros sac qui pue la merde. Tête de poire. Je suis pas une tête de poire. Au secours! We'll be right back.
vivre. T'es où, Baudouin? Je suis là, Popette. On n'arrive pas à me relever, au secours. Bah ouais, mais je peux pas avancer. Je fais un paille à l'autre, Sébastien, il me fout des pêches.